caught you staring across the room. Not sure that you made the move. Something like a magnet, I'm drawn to you. But somehow, baby, I'm feeling blue. Gratuit commence aujourd'hui, basé sur la hiérarchie des besoins selon Maslow. Ce mentorat, nous allons explorer les besoins en commençant par ceux qui sont physiologiques, en commençant par ceux qui sont physiologiques. Voici le plan de l'émission par besoin. On commence par l'eau. Alors, en général, il y aura toutes les ressources nécessaires dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Et tout est gratuit. Quand il s'agit de webinaires ou de vidéos que je dois produire, au moment où j'enregistre cette vidéo-ci, ce n'est pas encore prêt. Mais au fur et à mesure que ce sera prêt, je vais les ajouter. Pour le moment, je vous invite à bien vous renseigner et à faire toutes les activités que vous trouverez dans la boîte de description. Et je trouve que, et pour vous-même, et pour vos clients potentiels, c'est toujours bien de savoir de quoi vous parlez. C'est toujours bien de pouvoir répondre à la question « Pourquoi est-ce que ?» ou « Quelle est l'importance de ?» Et c'est pour cela que je vous assure, le client bien renseigné, et de nos jours, il l'est, préfère toujours avoir affaire avec quelqu'un qui peut répondre à ses questions qu'avoir avec quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'il fait lui-même et pourquoi. Enfin, ni pourquoi. L'idée, c'est que au moment où vous commencez les activités d'un atelier, vous pouvez savoir déjà faire ce que je vous montre. Vous pouvez ne pas savoir. Ce qui m'importe, c'est qu'à la fin, vous ayez les compétences nécessaires pour compléter une activité et continuer, parce qu'il faut avancer. Si vous pensez que ce serait mieux d'avoir quelqu'un avec vous dans votre équipe au lieu d'être seul, que vous voulez former une équipe avec une personne ou plusieurs personnes, l'important, c'est que vos projets soient menés à bien. Voici un aide-mémoire, c'est un document et un cours d'une heure et demie. Quoique ce cours-là chevauche un peu sur le côté sécurité, Dans les cas où il y a problème, qu'il y a pénurie, qu'il y a désastre naturel, des fois il arrive que certaines communautés ou certaines populations n'arrivent pas à avoir de l'eau potable. Donc, et les désastres naturels, des fois ça ne s'annonce pas. Vaut mieux savoir. Vaut mieux devenir une ressource pour vous-même, votre famille et votre communauté. Alors, la littératie, c'est l'alphabétisation. Nous nous concentrons en ce moment sur la lecture. La littératie comprend la lecture, l'écriture,
le discours, donc bien parler, l'écoute, la compréhension des messages. C'est très important de pouvoir combler ses besoins et de savoir utiliser tous les outils à votre portée et qui ont trait avec la communication. Et ça commence par bien rasseoir les notions de base et vous sentir à l'aise par rapport à vos propres capacités à faire passer votre propre message, à relayer le message de quelqu'un d'autre, à recevoir un message, à l'interpréter sous plus d'une forme. Forme écrite, forme parlée, etc. Il y a des ressources concernant la lecture. Et il vous faut aussi des compétences relatives aux affaires. Ah ouais, ça commence. Et ces compétences concernant les affaires ont à voir avec le processus de création d'entreprise. Et aussi en sa planification. Parce qu'il vaut mieux planifier au lieu de vous lancer comme ça, tête baissée, parce que si jamais il devait y avoir modification, ça sera fait soit sur ordinateur, soit en effaçant tout simplement de votre gomme sur votre page, ce qui est beaucoup plus simple et moins cher. Vous aurez perdu moins de temps, moins de ressources. Je suis en train de vous proposer ce qu'il y a de mieux pour vous. Et ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est d'avoir les idées claires, noir sur blanc ou bleu sur blanc. Et de voir les possibilités qui existent. D'abord dans votre imagination. Dans l'esprit d'abord. Nous le savons bien. C'est d'abord l'imagination, c'est d'abord l'esprit, ensuite dans la réalité. Pour les rôles qui vous aident à résoudre les problèmes concernant l'eau, il y a le volontariat qui est en quelque sorte un investissement en vous-même et en votre famille ou en votre communauté. Il y a aussi le commerce. Les gens ont souvent soif après des activités sportives. Quand il fait chaud, à part le fait que chaque personne devrait boire à longueur de journée un peu d'eau, ce qui fait que l'opportunité existera toujours d'aider d'autres à combler leurs besoins en eau. Et si nous nous concentrons une minute sur Haïti, il y a des endroits en Haïti où tout le monde n'a pas accès à l'eau potable. Alors c'est l'occasion, quand les gens se retrouvent en groupe ou alors quand il y a des communautés où il n'y a pas l'eau potable ou alors quand il fait vraiment chaud, d'offrir de l'eau aux gens. Je vais vous donner un exemple, c'est une observation personnelle. Quand quelqu'un achète une caisse d'eau, on va dire de 24 bouteilles d'eau,
On ne va même pas parler de thermos ni de glaçons. L'eau, tout simplement, en bouteille. On va dire que cette personne achète la caisse de 24 à 7 dollars et planifie de vendre l'eau par unité de bouteille à 1 dollar la bouteille. 7 dollars pour 24 en caisse. On va dire 8 bouteilles. Comme ça, on est sûr qu'après avoir vendu 8 bouteilles d'eau, la personne va commencer à partir de la 9e à compter ses bénéfices. Imaginez-vous que ça fait 16 bouteilles d'eau en plus à vendre. Les deux tiers. Les deux tiers de la caisse d'eau représentent des bénéfices. Ça fait minimum 66% de bénéfices. Imaginez un peu. Quelqu'un qui s'installe à la sortie d'un match de foot ou alors qui arrive à s'installer quelque part où c'est stratégique, là où il y a du monde et il fait chaud. Je parle d'Haïti et que la personne a l'autorisation de se mettre là où elle se met. Quand une caisse par rapport au scénario que je viens de décrire, peut rapporter 66% en plus. Si ce n'est pas fabuleux, je ne sais pas. Parce que l'eau se conserve bien en bouteille. Faut juste ne pas ouvrir, faut pas déballer. Et ça, c'est cool. Les gens achètent. Voilà, c'était un exemple. Et en plus de cela, je suggère la vente de glaçons, de thermos, de systèmes de filtration, de systèmes de traitement de l'eau de pluie. Oh là là, j'ai écrit pluie avec un S. P-L-U-I-E, pardon. Avec le traitement de l'eau de pluie, P-L-U-I-E. Des systèmes de conservation de l'eau, des systèmes qui ont à voir avec le fait de rendre l'eau potable. Des pompes à eau et des bouteilles en verre. Des rôles qui ont à voir avec la lecture. Il y a le tutorat. Accompagner des gens dans leur apprentissage. Il y a un réviseur de manuscrits. Parce que quand quelqu'un écrit, il faut toujours au moins qu'il y ait une personne qui révise ce qui a été écrit. C'est une profession et en anglais ça s'appelle proofreader, P-R-O-O-F-R-E-A-D-E-R. Il y a aussi le lecteur de livres, afin que ces livres-là puissent exister aussi en version audio, ce qui est bien, parce que quand je pense à la population d'Haïti, il y a un grand pourcentage de personnes pour qui ce serait bien d'avoir accès au contenu des livres. Surtout si le contenu de ces livres-là pouvait être lu en créole.
Alors, ne venez pas me dire en Haïti qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de travail. Créez-vous quelque chose, les opportunités existent. Il y a des gens qui comptent sur vous. Si vous savez faire quelque chose, il y en a d'autres qui comptent sur vous. Il faut partager. Il faut aider d'autres personnes avec ce que vous savez. Vous savez lire, vous pouvez parler. Alors, aider d'autres personnes, ça peut vous rapporter. Pour cela, il faut contacter les maisons d'édition et les écrivains. Parce qu'il faut avoir l'autorisation. Et c'est eux qui vous payeront. Suggestion de rôle. Maintenant, par rapport aux affaires. Quand on commence, il vous faut un mentor. Ou un coach, ou les deux. Ou les deux rôles en la même personne. Le mentor vous accompagne, répond à vos questions. Un coach vous guide. Un coach peut vous aider à atteindre un résultat, à atteindre un but. Ces deux rôles-là sont complémentaires. Ils peuvent exister l'un sans l'autre. Ce n'est pas exactement la même chose. Dans les deux cas, c'est vous qui devez agir. Le mentor n'agit pas à votre place, le coach n'agit pas à votre place non plus. Vous qui m'écoutez, ça peut très bien être vous, dans ces rôles-là, qui vous vous dédiez à aider d'autres personnes. Donc, on commence par les besoins basiques, n'est-ce pas? Donc, même en affaires, le besoin basique, c'est qu'il faut commencer, c'est qu'il faut pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, c'est qu'on doit pouvoir avoir les informations. Donc, vous, mentor ou coach, vous aidez les gens à résoudre leurs problèmes, leurs besoins physiologiques, ou à aider d'autres à résoudre leurs problèmes, donc des besoins physiologiques. Et ça se trouve aussi au niveau basique. Quand on commence à planifier et à créer une entreprise, donc nous sommes tous sur la même longueur d'onde, j'espère. Le projet relatif à l'eau, ça se trouve dans l'ODD 6, eau propre et assainissement. Donc pensez à l'eau potable, trouver des solutions autour de l'eau potable et aussi autour du lavage des mains après les toilettes. Il faut que la solution existe pour que les gens se lavent les mains. Donc, il faut créer la solution près des toilettes ou dans les toilettes. Ceci évite la souillure des aliments, de la vaisselle. Quand les gens ont besoin de boire de l'eau, par exemple, ou de manger, les gens, après les toilettes, doivent avoir les mains propres pour ne pas aller souiller quoi que ce soit après. Et je parle d'aliments et d'eau potable. ODD 4, pour combler ces besoins, il faut pouvoir communiquer. Donc, la littératie, ça se trouve dans l'ODD 4, éducation de qualité. Lecture et maths, alphabétisation communautaire aussi. Si vous vous sentez l'âme à aider des gens dans votre communauté à au moins savoir lire et écrire leur nom, lire les titres de journaux, c'est quelque chose. Faciliter l'accès au programme à des handicapés. Tout handicap n'est pas visible. Donc, il faut pouvoir adapter ces programmes-là à ceux qui ont, par exemple, des difficultés à apprendre.
entre autres. Offrir des services de base dans les écoles. Ça peut englober plein de possibilités. Je ne veux rien dire parce qu'on ne peut pas faire d'erreur ici. Tout ce que vous pouvez réaliser comme projet dans l'ODD 4, ça sera bien. Parce que c'est vaste. Donc c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire ou ce que vous voulez faire ou ce qu'il faut autour de vous. Des formes de communication. En ce qui a trait à la lecture, ce sera pour 4 types de publics. Il y a quelque chose pour le développement personnel. Donc c'est pour tout le monde. Il y en a pour les élèves et les étudiants. Un élève va en cours primaire ou secondaire, un étudiant va à l'université. Et quelqu'un qui apprend un métier sans aller à l'université, mais ailleurs, c'est un apprenti, par exemple. Il y a aussi des ateliers pour ceux qui pensent faire carrière ou qui sont dans les affaires ou qui veulent se lancer dans les affaires. Les modèles existent aussi. Et il va y avoir des ateliers pour vous montrer à quoi ressemble le produit fini et comment faire pour y arriver. Et ça va concerner les idées d'entreprise, l'étude du marché, parce qu'il faut faire l'étude du marché. Il faut savoir à quoi ça ressemble et où vous mettez les pieds. Les analyses comparatives concernant la compétition, donc ce qui existe déjà sur le marché. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les clients veulent? Qu'est-ce que les clients préfèrent? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer et tout ça? Et alors, voir votre rôle à vous qui complète ceux des autres. Ça sert vraiment à ce genre de prise de décision quand on fait des analyses comparatives. C'est très utile. Le persona, c'est le profil typé de votre client idéal. Il faut savoir à qui vous vendez pour bien positionner ce que vous vendez et pour que votre message soit spécifique aux besoins de cette personne-là. Quand c'est spécifique, la personne se reconnaît. Quand ce n'est pas spécifique, personne ne se reconnaît. Donc ça commence par la détermination de votre client idéal et le fait d'avoir une idée claire de ce profil-là. Donc, ça se prépare. Vous voyez quand je vous dis, tout commence dans l'esprit, tout commence dans la tête, tout commence dans l'imagination. Il faut planifier. Ensuite, il y aura aussi la visite guidée de mon site pour optimiser son utilisation. Il y a plein de ressources sur mon site. Mon site, c'est un site de formation. C'est un site sur lequel je montre le parcours pour faire certaines choses ou alors je propose des solutions directement. Donc, il y a beaucoup de textes sur le site, mais c'est organisé. Il y a un parcours
sur le site, sur les pages, sur chaque page. C'est pour vous. Et je vais vous montrer comment faire à chaque étape. Par exemple, là maintenant, on est en train de planifier. Je vais vous montrer ce qui vous intéresse. On est en train de faire du mentorat. Je vais aussi vous montrer ce qui vous intéresse. Vous êtes en bonne main, oui. Quant aux outils et aux équipements, c'est bien simple. Vous allez utiliser un ordinateur connecté à l'Internet. C'est mieux que d'utiliser votre téléphone ou une tablette. Mais si pour le moment vous n'avez pas encore d'ordinateur, cherchez à collaborer avec quelqu'un qui en a un. Ou pour le moment, faites ce que vous pouvez avec votre téléphone, mais il vous faut un ordinateur, c'est beaucoup mieux. Un cahier aussi, un crayon, un stylo, ou les deux, ou bien vous faites un choix, une gomme. Et voilà. Allez toujours sur la vidéo dans la boîte de description. Et si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire ou en m'écrivant un email. Je vous dis à bientôt. Buvez de l'eau, je vous aime.